Hey guys. This dance is called a bar song. It's choreographed by Ben Murphy. It's a 32 count four wall beginner level line dance. So there's a four counts tag at the end of wall 10 and there's no restarts in this dance. So let's start with section 1. We start with the right foot and we do a rumba box with touches. So side together, forward and you touch Together with the left, side together, back, and you touch together with the right foot. Section two, you go side with the right foot, so side touch together, side with the left, and you touch together with the right. And you can also clap your hands as you do the touch, so one, two, three, four. Then you do a vine to the right, so side cross behind, side, and you touch together. With the left. So let's do the first two sections with the cats. Seven, eight, one, two, three, touch, five, six, seven, touch, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Section three, you start like section two, so side touch, side touch, and you clap your hands if you want. So one, two, three, four, then you do a vine to the left but you will do a quarter turn to the left so side cross behind and as you step forward with the left quarter turn to the left and you brush the right so let's do the first three sections with the cats 7 8 1 two, three, touch five, six, seven, touch 1 2 Section four, we're facing nine o'clock. It will be easier for you guys if I do it facing 12 o'clock. So, you did the brush with the right foot. So, you touch your right heel forward but slightly diagonal to the right and you bring it together. You touch your left heel forward, slightly diagonal to the left and you bring it together. And then you jump, you go each side with both feet. And you hold, and then you bump your hips once to the right and once to the left. Okay, so let's do only section four with the cats. Seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, and then you start section one, the rumba box with the touches. Okay, so let's do the four sections just to be sure everything's all right. But when we do wall one section four.

and wall ten, you will be facing six o'clock. Okay, so let's do section four and the four counts tag. So section four, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, and then you go side touch, side touch. So one, two, three, four. So this is the four counts tag, and then you start the next wall rumba box with the touches. Okay, the same steps. So for the ending, the last wall, you end the last wall facing nine o'clock. So you will do section four facing nine o'clock. So let's do it together. Seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight. And then it's a very personal way to end it. I pivot on both feet, quarter turn to the right, and I put my arms each side. But again, it's very personal, okay? So let's do section four and my ending. Seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, and I pivot a quarter turn to the right, okay? So I hope you enjoyed learning this dance with me. So take care and stay safe. Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp. J'espère que vous allez bien. On fait une danse qui s'appelle A Bar Song. C'est une chorégraphie de Ben Murphy. C'est une danse qui a 32 temps qu'on fait sur quatre murs de niveau débutant. Alors, il y a une transition, autrement dit, un tag de quatre temps à la fin du dixième mur. Par contre, il n'y a pas de restart. Alors, on commence avec première partie. On débute avec pied droit et on fait une boîte de rumba avec des touchés. Donc, pied droit. Côté ensemble en avant, touché avec pied gauche. Côté ensemble en arrière, touché avec pied droit. Deuxième partie pied droit. On va de chaque côté toucher. À droite, toucher pied gauche. À gauche, toucher pied droit. Et on peut faire aussi, dans le fond, on peut taper des mains sur les touchés Donc un, deux, trois, quatre, et on fait un grapevine à droite. Côté Trois en arrière, côté et on fait un toucher avec pied gauche. Alors, si on combine les deux premières parties avec les comptes, 7, 8. 1, 2, 3, toucher. 5, 6, 7, toucher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième partie, on commence comme la deuxième. On va de chaque côté toucher, mais on va commencer à gauche. N'oubliez pas qu'on peut taper des mains aussi. là Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 et on fait un grapevine, 5, 6, mais rendu ici, on va tourner un quart de tour à gauche et on fait un brossé avec le droit. Alors, si on refait seulement la troisième partie, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on va combiner les trois parties avec les comptes, 7, 8, 1, 2, 3, touché, 5, 6, 7, touché, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quatrième partie, on est face au mur de, de gauche en avant. Ça va être plus facile si je la fais face au mur avant. Donc, on a fait le brossé ici. On présente le talon droit légèrement en, en diagonale. Donc, diagonale. On ramène le pied droit ensemble. Talon gauche, même principe, légèrement en diagonale. On ramène ensemble et rendu si on va faire un petit saut, on va de chaque côté droite-gauche, donc 5, retenu à 6 et on fait un déhanchement droite-gauche. Alors, si on fait seulement la quatrième partie, on a fait le brossé. 7, 8, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repart du début. Alors, si on combine les quatre parties pour être sûr que tout va bien, quand on fait le premier mur, la quatrième partie, on va la faire face au mur de gauche à Navarre. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, touché. 5, 6, 7, touché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on fait le deuxième mur face à Navarre. Alors, si on fait le deuxième mur ensemble, 13, 7, 8, 1, 2, 3, touché, 5, 6, 7, touché, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on commence le troisième mur dans le fond, face à César, les mêmes pas. Alors le petit tag de quatre temps, la transition de quatre temps. Elle va dans le fond être sur le mur arrière à la fin du dixième mur. Et on fait la quatrième partie sur le mur arrière suivie de la transition. Donc si on fait la quatrième partie ensemble, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la transition, on va de chaque côté toucher en commençant à droite. À droite, toucher pied gauche, à gauche, toucher pied droit. Et on repart du début, la boîte de Rumba avec des touchés. Pour la finale, dans le fond, on est sur le mur de gauche. Lorsqu'on fait le dernier mur, on fait la quatrième partie sur le mur de gauche. On va la faire ensemble, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, la finale, c'est une finale, dans le fond, très personnelle. Je pivote sur les deux pieds, un quart de tour à droite, et je mets les mains de chaque côté. Mais encore une fois, c'est une finale, dans le fond, très personnelle. Donc, si je fais quatrième partie finale, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, merci beaucoup et bonne danse!